Salut, moi c'est Adrien. Aujourd'hui, je vais vous faire une horloge coucou. La façon qu'on va procéder, ça va être comme d'habitude. Je vais tout l'assembler comme il faut. Puis après, une fois tout assemblé, je vous reviens. Et puis, je vais vous parler des points importants. Donc, à tout de suite. Bon, enfin, l'assemblage est terminé. Ça donne à peu près ça. Sauf que pour vous autres, il s'est passé environ 3-4 minutes. Pour moi, il s'est passé plusieurs semaines. J'ai fait lui, ça n'a pas marché vraiment à mon goût. Il a fallu que je change un paquet d'affaires parce que ça ne fonctionnait pas à mon goût. Puis aussi, je l'ai laissé marcher quand même assez longtemps pour voir que tout fonctionne bien. En fait, c'est celui-là ici, mon produit final. Il est encore connecté par le port USB. Et puis, ça fait environ une semaine qu'il est connecté. Puis, c'est parfait. Il tient bien l'heure. Tout est parfait. Pas un mot à dire. Pour commencer, je dois vous dire que pourquoi j'ai fait un horloge coucou. Mon père était horloger bijoutier aussi, et puis c'était pas mal ses horloges préférées, les horloges coucou. Donc je me suis dit, tiens, je vais en créer une pour voir ce que ça donne. Bon, c'est certain, bon, j'ai fait un horloge coucou, oui, c'est pas un super design, sachant très bien qu'il y a des horloges coucou qui sont vraiment, mais vraiment très belles. Je suis pas tellement un artiste, vous allez pouvoir le voir sur mon petit oiseau que j'ai fait. J'ai fait de mon mieux, mais ça donne ce que ça donne. Au moins, ça fonctionne, c'est ce qui compte. Pour ceux qui sont intéressés à le faire, je dois vous dire que c'est quand même un projet qui est compliqué.
il y a, la programmation, c'est correct, est faite, il reste juste à l'insérer dans l'Arduino. Mais il y a tous les petits ajustements à faire pour que, justement, l'horloge garde bien son heure. Alors, je veux dire par là, les aiguilles, il y a un engrenage, et puis si il y a une pièce à l'intérieur qui sert à serrer l'engrenage pour qu'il y ait quand même une certaine restriction là, dans l'engrenage, bon, il faut l'ajuster comme il faut. Sinon, comme par exemple, celle-là ici, les minutes, je peux les... ça y va vraiment facilement. Les heures, ça fait toujours un clic. Mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais les minutes, c'est toujours ça le problème. Si l'ajustement n'est pas bon, de temps en temps, ça ne tournera pas. Donc, ça ne tiendra pas l'heure. Les petits bras, c'est quand même une technique simple. On prend les deux parties. Puis, ou le joint, on met tout simplement un filament de 1,75 mm. Puis, ça marche très bien aussi. À l'arrière de l'horloge, ici, c'est une prise USB qu'on connecte avec un petit adaptateur, comme ça. C'est important que l'adaptateur ait au moins 2 ampères. Sinon, vous risquez de faire griller votre Arduino Nano. Comme vous pouvez voir, le schéma électronique est quand même relativement simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si vous êtes déjà habitué à faire un peu d'électronique, ça va super bien aller à ce niveau-là. Pour ce qui est des petites portes ici, bon, c'est de vous montrer pour voir. J'ai mis à l'intérieur, c'est, on va dire un élastique, mais c'est en fait, ça se trouve être une ballonne que j'ai coupée vraiment très mince. En fait, c'est cette ballonne-là ici. On voit qu'il en manque un bout. Je coupe vraiment des petites tranches. Et puis, ça va nous donner le ressort pour fermer les portes. Pour ce qui est des composants qu'on met à l'intérieur de l'horloge, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Vous avez besoin de 4 bearings. Ça se trouve être des roulements à billes qu'on retrouve dans les skateboards ou dans les patins de roues alignées. Vous avez aussi un Arduino Nano, comme j'utilise souvent dans mes projets. Il y a un mini lecteur MP3. Là, vous avez aussi besoin d'une carte SD pour mettre à l'intérieur. Vous avez besoin d'un module d'horloge aussi, avec la batterie. La batterie, c'est une 2032. Vous allez avoir besoin de 3 servomoteurs et un petit haut-parleur. Toutes ces pièces-là, vous allez voir, j'ai mis ça dans la description, mais vous allez avoir d'autres petites informations aussi là, dans la description. Si jamais vous avez l'intention de le faire, ce qui est important, vous allez sur mon site qui est rockprint3d.com. Là, vous allez avoir vraiment étape par étape ce qu'il faut faire pour réaliser ce projet-là. Je vous le dis, c'est pas facile à réaliser. Ça m'a pris énormément de temps, mais ça se fait. En plus, j'ai switché. J'étais avec Fusion 360 avant. Maintenant, je suis seulement qu'avec FreeCAD, donc j'ai dû apprendre à travailler avec ce logiciel-là en plus. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur de voir que les gens apprécient mes vidéos. Puis, si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez le faire. Des fois, ça peut m'aider aussi, les commentaires pour... ça peut être pour d'autres projets, mais ça peut être aussi pour m'améliorer. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye bye, à la prochaine!